Le précédent sondage posait la question: quel est votre dictateur préféré entre Staline et Hitler? Une idée de Mr. Fanax, on le remercie grandement. Staline a gagné presque haut la main, c'est pourquoi cet épisode est aux couleurs de l'Union soviétique, n'y voyez aucun message politique. Tout est ici dans le fun et la parodie. Sachez que c'est pas trop mon genre de délire à la base, c'est plus ce de Mr. Fanax. Mais j'espère que ça vous amusera quand même, et j'espère que vous ne le prendrez pas trop au sérieux. Donc sur ce, vous pouvez trouver un nouveau sondage juste dans la description, et bon épisode. Rebonjour les Minecrafters, ici Seb35 pour la suite de Minecraft The Offer saison 5 en compagnie de toujours le même staff. Attends, c'est toi qu'en a 3 ta gueule. Donc, il s'est passé des choses, comment dire. Alors, les types ont énormément joué pendant que j'étais pas là. Bon, comment dire. Je sais pas que c'est chiant, mais un peu quand même. Deuxième à avoir trouvé du diamant, sauf qu'en a eu, j'en ai trouvé plus que toi. T'en as trouvé combien? 12. Sérieux, 12 gems, les types ont beaucoup miné, bon. Et, c'est pas très grave, on va rattraper notre retard au fur et à mesure. Peut-être pas d'émeraude. Pour vous dire que si personne n'a cheaté, à part moi et moi, CLP, je rien. Personne n'est hop. Ah, très bien, bonne initiative, Tarjof. Je vérifie, hein. Donc les admins ne font pas un boulot... À quoi servent les admins s'ils ne sont pas... Il y a quand même un certain nombre de personnes, mais les membres qui ne sont pas connectés, tout simplement. Il y a Zélitré, Mekto et Frosty. Frosty, encore hop. Tiens. Ah. Oh, des roses. Il s'est pas mis en game mode, de toute façon, ça je l'aurais vu. Je crois que Frosty est en train de méchamment décéder. Frosty est... T'es sérieux? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je sors, vas-y, passe-moi les diamants. Passe-moi les diamants, Water, je fais la pioche. Non, mais j'ai de quoi faire la table d'enchant, j'ai pris un diamant inspirituel. Ouais, il faut V60, je préfère ça. Comment ça, t'as pris un autre diamant? J'ai pris le diamant pour faire la table d'enchant. Vous êtes beaucoup trop en avance, moi je sais plus quoi faire du coup, vous avez tout fait pour moi quoi, c'est ouf. J'ai rien fait. Arrête de rien. Non mais je parle pas pour tout le monde en même temps, taisez-vous. On sait, on te fait chier. C'est marrant. Gentil, la routine. Et oh, une vache. Si c'est pas moi. First. Oh merde. Ouais, c'était juste pour avoir l'enchant. Vas-y. Oui, je pense en fait. Hein? T'as la pioche? Putain, j'ai la pioche. Ah bah j'en voulais une pour moi parce que ça m'est pas des putains de moutons quelque part là, c'est déjà bien. Je te suis pour trouver la maison. Sûrement en train de me paumer dans les méandres de. Les méandres de la forêt, mais bon. Je m'amuse à me balader la nuit en pleine forêt avec un cœur et demi. Bonjour! Attends, mais qui avait de la canne à sucre, c'est toi, tu l'as posé? Moi j'ai un super panorama de là où je suis. J'en ai deux là. Vas-y, Patrick, moi je vais les planter pendant que tu enchantes. Oh, de la canne à sucre. Keep calm and go away, please. Keep calm and go away, please. Ouais. C'est chez moi ici. Yeah, c'est le true English accent. Ah, je suis le premier à être enchanté. Come on, please. Come on, please. C'est moi qui me putain, j'ai enchanté mon épée en first. Bah moi, je suis enchanté d'être avec vous depuis le début de la série. Oh, c'est pareil. Bien, bravo. GG. Bravo, GG. Elle est bien celle-là, elle est bien. Ah bon? Allez, eh bien, vous perdez beaucoup de... Dégage de chez moi. Je te retrouverai, CLB. Je te retrouverai. Je suppose que c'est la grotte, ça sera frosty, il y a de la lumière. C'est où? Ah non, c'est de la lave. Attends, deux secondes, je viens avec toi parce que j'ai besoin de lave, moi, depuis tout à l'heure. Je cherche. Bon, la maison ne ressemble officiellement à rien. Bon, comment ça qu'on fait? Je suis en fait. Ouais, je vais mettre un... C'est pas grave, je te rejoins. Shelby, on va aller se balader ensemble. Moi, je cherche des moutons. Se balader ensemble, pour ça. La vie. Là, j'avoue, le mouton, ce serait bien. En fait, je suis con, je cherche du gravé, mais il y en a dans le fond. T'sais. Tarjof, are you there? Non. J'arrive à la Joris. J'arrive à la base. Ah bah je vais tuer ce squelette avec un arc enchanté qui va peut-être me looter et je te rejoins. Mais Spirit, tu passes dans des grottes où il y a ce boss ne m'a pas looté son arc et un creeper vient faire chier. Voilà. Y'a pas de mob griffing hein, je dis ça. Oui, je vais juste regarder ton bouton parce que c'est le seul que j'ai pas tué. Oh cool, y'a les Endermen qui se baladent. C'est la jouée. Putain, c'est la pauvreté des boutons dans ce pays, c'est dingue. Alors oui, j'aimerais bien rentrer par là, mais si je fais ça, je meurs, donc je vais éviter. Ah, t'as pas occupé CLB, t'as oublié un détail, ton bouton. Ah oui, tiens, pas faux. Alors, tu t'en occuperas plus tard, hop.
Vous avez un mouton, bande d'enfoirés. Et comment comment rajouter des effets? Et voilà, je débloque de la piste, je commence ma tour de la piste et elle fait désormais 4 blocs. Hein, à la fin de la série, je sais pas où est-ce qu'elle se lancera, mais elle sera haute. La limite. Moi je dis, tu te fixes objectif, putain, ça sera la limite du ciel de Minecraft. Ouais. Et voilà. Après, tu allez, ce sera tellement moche. On met des torches pour marquer le premier stade. T'es où, Tarjoff? Je suis devant, je suis pas dedans, je suis devant. Eh ben moi je suis dedans. Attends, on va explorer la faille qui est juste à côté. La quoi? Et oh putain, la faille qui est juste à côté. Oui, je t'accompagne. Ah non, c'est un portail. Et oh merde. Okay. Merde. Donc la faille qu'on voit juste là. Et des squelettons. Ouais, à partir de ce sas là. Des squelettons avec des pelles enchantées. On fait qui? Ah, je crois que quelqu'un y est. Une petite Windows 10, je suis désolé. Il y a tout le temps un squelette. Yolo! Alors, where are you? Ah, you are here. Je suis en bas. Bon bah, MLG du coup. Même pas en rêve. Il y avait un escalier presque naturel. Ou du slime. DLB. Non. T'es sérieux, what? Putain. En 30 minutes de jeu, le mec Gonazer, YOLO quoi. C'est le lag. Ah, le serve commence à laguer. Ouais. Putain, mais c'est... Les mecs, vous êtes des grands dingues, je veux dire, merde, c'est pas un UHC run. Ah bon? Mais vous êtes lourds, je veux dire, vous avez tous appris à jouer en vitesse maximale, mais c'est pas fait pour, je veux dire, merde, c'est MVO aussi. C'est pas pro gameplay, picup de ouf, de la mort, merde. Ah bah non, pas moi du tout, hein. Moi je suis complètement. Moi pas du tout, parce que j'ai pas de diamant, donc je suis dans... J'ai pas commencé à miner, les mecs. En 2 heures de jeu, quand même. Et voilà, moi je m'occupe de mes champs et des heures. Tarjoff en est à Getting Wood, d'autres en sont à We Need To Go Deeper, ok. Ouais, là Tarjoff il en est à Getting Wood, moi j'en suis à We Need To Go Deeper. Ouais, ah yeah. Alors par contre, Rosti, à l'avenir faudra vraiment que tu fasses quelque chose pour ton clavier. Ouais, bah je vais m'acheter un clavier bientôt. Rien. Ah oui, mais ça c'est plus au niveau du micro, je pense, qu'il va falloir. Tarjoff. Oh là, plus qu'un cœur et demi, y'a trop de mobs dans mon jardin. Je suis dans la fight, Tarjoff, je sais pas où tu es, mais. Ben moi je suis en haut, je mine. Oui, Water, je t'entends. Attention, fais gaffe. Ça m'a saoulé, vous m'avez saoulé. C'est de l'andésite, oui, vas-y. Fausse joie, Théma. Quoi Tu l'as planté où là, canne à sucre? Oui, un je suis pas très habitué au Summerfields. Bon, purée, j'ai trouvé un creeper dont l'IA est complètement buggé. T'es dans le vent ou pas, Water? Purée, je croyais que son IA était buggé, mais il a recommencé à fonctionner. Quel genre de bruitage serait rigolo à mettre en simultané de la mort de quelqu'un? C'est ça? Eh, dites, j'ai une idée. Et si on mettait un bruitage à chaque fois que quelqu'un meurt? Ouais, c'est vrai, comme dans. C'est le bruitage GTA Wasted. Non! Tu captes pas mon portail! J'ai besoin! Bah oui, mais on peut pas mettre n'importe quel bruitage, quoi! C'est LV! Ah ah! Je survie! Faudrait un bruitage qui fait un peu gros loser! Tu captes pas mon portail! Mais j'ai besoin de quoi, Tarjoff? Mais c'est pas la Tarjoff! Attends, Frosty! Ta gueule, Water, laisse parler Tarjoff! Je suis passé besoin de 3 obsidiennes en fait! Putain, mais ils le font exprès, c'est ça? Mon micro est coupé là ou quoi? On va entre riches, Water! Fermez-la! Oh! Viens, prends pas, t'inquiète pas! J'ai juste besoin de 3 d'obsidiennes! Il me reste les 2 diamants. Mais vous quel putain de merde! Viens au pire, Water, je sais qu'on va en entre nous deux. Fermez vos gueules! Je te montre, il y a de l'obsidienne. Oh nice! Quoi? T'en sais pas là chez vous, hein? On va recouper du bois. On n'a pas récupéré du fer entre temps, mon cher. C'est pas si fun que ça d'avoir 6 membres de la MC4 en même temps. C'est le bordel. Bon. C'est toi qui dis ça. T'es pas du tout responsable de ça. Je suis un fer et un soldat. Tu parles? Non. Par contre, je ne sais plus où est le portail du Nether. Je suis un peu triste là. Il y a un portail du Nether fixe. Oui. Mais putain, cette série va l'accélérer quoi. C'est pas possible. Il y aura plus de place pour les autres quoi. Par contre, je me disais, faudra faire un Dragon. On le fait au prochain épisode ou pas? De quoi? L'Under Dragon, on le fait au prochain épisode. Slash ban Mister. Tiens, vous avez remarqué dans le chat le nombre d'items secrets restants est de 24 qui s'affiche de temps en temps. Il y a des items secrets éparpillés sur la map. N'allez pas les chercher. C'est pas à vous de le faire.
Oh merde. Je parle à MCKaz ici, je parle pas au public. Le public, ce sera à vous. Et Water, par contre, je le serveur side pour le portail, on essaie de faire un impro. Purée, avec les shaders, le nether, ça rend juste trop bien. C'est beau. Merde. Moi, je peux pas mettre les shaders parce que Java les fait cracher sur mon nouveau PC. C'est pas une question de puissance, hein, c'est pas le problème, shader, mais voilà. Putain. Je joue avec le MC Patcher, moi. Je suis avec Optifine. Ah, et d'ailleurs, CLB, par rapport à la 1.9, le bug que je t'avais présenté qui permettait de se déplacer hyper vite en bateau, il a été corrigé. Merde. Mais il y en a un autre qui existe. Il y a deux portails. Lui, il demande plus de ressources, il demande de la glace ou de la packet ice. Ouais. Mais tu peux faire glisser un bateau indéfiniment sur la glace en ligne droite si tu te tiens en ligne droite. Tu m'as dit que t'avais des tu veux savoir. Non mais en bas dans la grotte. Il y avait Aurélien qui a fait les tests. Il est allé à 151 km/h avec un bateau. Ah ouais, quand même. Je sais pas trop comment il mesure km/h dans Minecraft. C'est le hors bord. Il calcule en gros, il prend une distance de 100 mètres et il calcule le temps qu'il y a d'un autre. Ah oui, je vois, c'est une vitesse plutôt respectable en effet. Vous avez de la piste ou pas du coup pour vous? Donc 151 km/h. Aïe. Voilà. Pas mal. Vous avez du lapis ou pas les gens? Le lapis, il est avec, je sais pas. Je suis un boutique, faites pas chier. Je crois qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Un bug qui a peu de chance d'être retiré pour l'instant parce que apparemment il l'a pas vraiment vu chez les Anglais. Ah. Oh la foule de jeunesse, je vous jure. Parce que c'est vrai que la plupart du temps quand un Anglais découvre le truc aux gens, il fait gaffe et après voilà, il le retire. Et c'est un peu chiant d'ailleurs parce que franchement dans les airs, c'est trop. Il y a certains bugs qui sont tellement rigolos qu'ils pourraient les laisser merde à la fin. Ils veulent pas qu'on fasse du bug exploit, mais. Mais là, tu peux aller à 151 km/h sur Minecraft en bateau en 1.9. Bah, il faut juste beaucoup de glace, quoi. Il faut juste beaucoup de glace. Bah oui. C'est faisable. Faire une route de glace et de la longueur de l'autre. Frosty, ça s'arrange pas tes histoires de clavier là. Hein. Ouais, je suis en train de spammer, c'est normal. Et bah non, spam pas. C'est un peu dégueu quand tu spams quand même. Sache que Aurélien est sûr que tu peux aller encore plus vite parce que le bateau il accélère au fur et à mesure de la distance. Ah, c'est sympa ça. Donc lui il a testé et il a vu qu'en prenant un certain élan avant de faire des. Ouais, je vois. Arrête! Arrêtez de spammer vos claviers là. Mais en fait, c'est à cause de vous les mecs. Vous faites des grosses minopties de ta mère là. Il y a des minopties sur cette map. Putain, je la prends. J'ai miné en ligne droite. Mais oui, mais mec, là en fait, je suis en train de. J'ai même pas arrivé au. Moi, j'ai un petit début de minopti parce que j'ai pas de grotte. Moi, j'ai. On met trop steam. Voilà. Enfin, là, ça change. Je me suis paumé dans une grotte, c'est cool. Des roses. Oh non. Depuis quand faut spammer pour causer une grotte? Depuis quand? Je suis tombé sur votre face sur le rush dragon. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'il va falloir faire, il va falloir protéger le portail Non, j'en ai marre là. C'est bon. Le portail de l'Under. Ouais, sinon ça, il va y avoir. On n'est pas dans une discothèque, CLB. Ah, mais c'est trop fun, hein. C'est une discothèque moyenâgeuse. C'est quoi, bien les discothèques. D'ailleurs, oui, il faudra qu'on en fasse un quand on aura un peu de temps. On en fera une dans MVO5. Bah oui, il faut la faire. Ça n'est plus une option. Un demi-cœur. Fuyez. Moi, si j'arrive à un demi-cœur, je suis je mort, sens que je vais être abattu dans une par une les omoplates, c'est le bonheur. Quel bruitage de Minecraft pourrait bien convenir à la mort de quelqu'un sur le serveur? Un bruitage un petit peu ridicule, un petit peu lol, t'es mort, t'es un noob. C'est pas très gentil de dire ça. Non, je sais pas. Je connais pas tous les bruitages. Ouais, je sais pas. Je dois affronter la tour en lap de Phanax. J'ai trouvé où il habite. Genre, je sais pas, un petit boom ou je sais pas, une connerie dans le genre. Le bruit qu'un cochon fait quand il meurt, je trouve ça ridicule. Non, c'est pas mal ça. Bonne idée. Bonne idée, je te fais ça en hors cam. Ouais. En plus de ma bio. T'as un Jeff ? Oui, mais tu l'avances. On sort, on va chercher d'autres points parce que celle-là elle a déjà été explorée. Bake bread. D'ailleurs, toi, il en est où? Mais quelle grotte n'a pas été explorée sur la map, quoi? On a une armée de mineurs fous qui. Watershock est déjà mort 6 fois, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un champ de blé, je vois. Oh, ou un des mineurs de la mer, par exemple. C'est pas grand chose pour l'instant. Parce que moi, j'ai plein d'herbes. J'ai plein de weed. What? Comment? Mais oui, je me tue tout le temps.
Merde, mais pourquoi tu fais ça? Oh, oh, j'ai eu une carotte. Moi aussi. Pourquoi Frosty n'est pas dehors d'ailleurs? Spiritus ne saute pas sur mon champ parce que dedans il y a une carotte. Ça avait dit que t'avais dehors tout le monde à part moi et toi. T'inquiète, je repars chez moi. Frosty, tu m'as dit qu'il était encore ouvert apparemment. Bah oui, il était, mais maintenant il est plus. Ah, bonne nouvelle. De quoi? C'est OP. Il y a plus que deux opérateurs sur ça. J'ai cassé une glowstone sans faire exprès. Okay. Oh merde. Oh, c'est pas très grave. Bon. Hein. Pas très grave, je fais de la poudre. Bon, alors là. Coup de la poudre de la wind, on aime. Ah oui, non. D'accord, comment c'est des documentaires, c'est marrant. Hein? Des documentaires, tu sais. Ah oui, c'est terrible. Voilà. Car la drogue, jour après jour, se répand dans la MTK Team. Une équipe de jeunes dealers de drogue, prêts à tout pour obtenir leur weed ou leur poudre. Ou l'argent des abonnés. Ce que je fais pousser dans mes champs. Et le petit chien reste introuvable. Un cœur et demi. Ah, mais en fait, je crois que tout le monde est dans God save the fun. J'adore quand j'ai trouvé le diamant. Quoi? Non, non, c'est parce que moi, je spammais cheater, surtout. Cheater. Frosty, t'es mort cette fois et tu ne vas pas recommencer, faut laisser la jouer RP, c'est pour okay, ça que t'es DOP. Qui a pris mes diamants, sinon je le tue tout de suite parce que j'en avais deux et j'en ai plus qu'un. Ah voilà. Quelqu'un a pris un diamant. Je sais même pas où t'habites. Bah déjà, d'une, si, ne le prends pas sur ce ton là. De deux, si on commence déjà à se shipper dans les coffres entre nous alors qu'on est censé faire confiance aux gens qui viendront ensuite, ça promet. Ah oui, shipper, arrête de shipper, exactement. C'est bien dans cette team, on adore citer du droit et l'exploratrice, il faut le savoir, on craint un peu quand même. Merde. Mais qui sérieux m'a pris? Mal appris. Je sais pas. D'ailleurs, Stelb vient de se. Je sais pas où t'habites, moi. Mais non, mais c'est peut-être que. Je sais pas où est ça. Mais qui se dit bon? Oh, purée, un demi-cœur! Non! Non, 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 rien, non, je suis pas par un squelette. Non, non, la tête de c'est pas légal. C'est, dans une c'est le bordel sans nom. Poursuivi par des mobs, bah, il n'a qu'un demi-cœur et pas de nourriture. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine vidéo sera avec vous, ce sera d'abord un live. Ça se promet d'être tout aussi bordélique, mais en tout cas, vous pourrez participer, vous pourrez régler un peu tous les problèmes que nous avons. En attendant, je vous remercie du visionnage et je vous dis à bientôt et au revoir. C'était CLB. C'est quoi le spirit de ma mort ? Merci infiniment à vous de regarder les vidéos jusqu'au bout. Pour vous récompenser, je ne vous donne strictement rien, mais ceci dit, je vous recommande tout de même de checker le Twitter. Je vous recommande également d'aller voir le Discord, d'aller voir la vidéo mise à gauche pour apprendre des trucs, rejoindre le serveur tout simplement. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir pour le prochain épisode. C'était CLB.